Le président mondial du groupe japonais Ajinomoto, leader des acides aminés, spécialisé dans les domaines de l'agroalimentaire et des produits pharmaceutiques, reçu en audience par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Masatoshi Ito dit être venu exprimer sa gratitude au gouvernement ivoirien. Apprécier les résultats des 2 années d'activité de la structure dont il a la charge en Côte d'Ivoire et relancer un programme sur les 5 années à venir. Le commerce ici est très développé. À travers la Côte d'Ivoire, l'expansion du commerce dans la sous-région se fera beaucoup plus à travers Ajinomoto. La société Ajinomoto pense beaucoup à la santé des populations et c'est pour ça que le groupe Ajinomoto vient introduire le produit pour que les Ivoiriens se portent bien. C'est un produit fait à base de glutamate de sodium qui aromatise la nourriture. Et il y a 100 ans que ça a été découvert. Et ils se sont dit que c'était bon qu'ils le fassent connaître à travers toute l'Afrique. Le groupe japonais Ajinomoto a pour objectif de produire plusieurs tonnes d'un assaisonnement culinaire à des pays de la sous-région à partir d'Abidjan.